Bonjour à tous, on se retrouve pour Baguette saison 3 et cette saison on se retrouve pour un FFA. On est donc 20 joueurs réunis tous en beau cercle comme ça. Et je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui concernera les scénarios, la configuration de la game, etc. Donc au niveau des scénarios, on est sur un Diamond's Limit Anonymous Golden Baguette. J'expliciterai ça plus précisément plus tard. Et puis là, je vais un petit peu parler de tout ce qui est config. Alors on sera sur une map de 2500 par 2500, c'est-à-dire que la bordure ira de moins 1250 à 1250. Voilà, il pleut, hein, Énorme! Comment annoncer la saison de merde? Ça me lâche trop un truc de merde. Les Golden Heads seront on et ils auront 4 cœurs. L'absorption sera off. Les bibliothèques seront off. Les cheveux seront off. La map a été pré-générée en essayant d'imiter un peu les maps 1.7, c'est-à-dire que l'or a été pas mal réduit et le diamant aussi. Et enfin, on a une règle. Bon, après, s'il pleut tout le temps, on s'en foutra de toute façon. Mais on a une règle un petit peu particulière pour les Fire Aspect. En gros, n'enchantez pas Fire Aspect volontairement. C'est-à-dire que si vous voyez Fire Aspect dans votre table d'enchant, ne le faites pas. Juste, c'est une règle gentleman. Si vous obtenez Fire Aspect en enchantant par exemple Sharpness 2 et du coup c'est involontaire, jetez quand même l'épée s'il vous plaît. Le seul cas où Fire Aspect sera autorisé, c'est si vous trouvez un bouquin. Voilà, sinon au niveau du timing, le PvP sera on à 20 minutes. Le stalking avant ça est évidemment enfin pas autorisé. Le stealing, bon, essayez de pas ruiner la game du mec dès le début. Voilà, ça fait pas trop. Et puis sinon, au bout de 90 minutes, c'est-à-dire au bout de 4 épisodes et demi, la bordure va commencer à réduire. Donc au bout de 4 épisodes et demi, c'est le meet-up. Donc tout le monde doit aller vers 0-0. Et après, on a donc 30 minutes de réduc. Donc ça ira jusqu'à la fin de l'épisode 6. Voilà. Sinon, au niveau du Nether, bah, il est on. Les potions de level 1 sont on. La force est nerfée à 60%. Il n'y a pas de camp du portail, il n'y a pas ni piège de portail qui soit autorisé. Et le quartz, enfin l'XP du quartz est nerfé 50%. Genre, ouais, 50%, voilà. Du coup, au niveau des scénarios, pour être un peu plus clair, alors on va commencer par un petit peu le scénario clé de cette saison, Anonymous. Alors, Anonymous, qu'est-ce que c'est? En gros, tous les name tags seront identiques, ce seront des espèces de name tags un peu brouillés. Donc on ne verra ni qui meurt, ni qui tue qui que ce soit. Donc dans les messages de mort, ce sera des messages brouillés. Il n'y aura pas de scoreboard de kill, donc on ne saura pas qui a tué qui. Dans le tab, pareil, ce sera des name tags brouillés. Et pour les skins, comme vous pouvez le voir, histoire qu'on puisse pas se différencier au niveau du skin, on a tous mis... Un skin de Un skin de Hellspawn en boulanger, apparemment. Voilà. je crois que pour Anonymous c'est à peu près tout, sinon slash H a été désactivé pour éviter qu'on puisse accéder à la vie de quelqu'un, voilà. Et puis à part ça, je crois que c'est à peu près tout pour Anonymous. Sinon, au niveau du deuxième scénario, Diamond's Limit, en gros ce sera sur une limite de 13 diamants. Pour expliquer le scénario, en gros vous pouvez miner jusqu'à 13 diamants de façon totalement normale. Et une fois que vous avez miné 13 diamants, quand vous minez un diamant supplémentaire, vous avez une chance sur 2 que le diamant ne drop pas et que vous preniez un demi-cœur, une chance sur 6 que le diamant drop normalement, une chance sur 6 qu'il ne se passe rien, et une chance sur 6 que le diamant loot 2 lingots d'or. Voilà. Les bibliothèques, j'ai dit qu'elles étaient off. Hein. Oui. Et sinon, au niveau de la Golden Baguette, comme d'habitude, donc avec à l'aide d'un pain et de 4 lingots d'or, vous pouvez crafter une Golden Baguette qui vous healera un cœur et vous donnera un effet random, un effet positif random. Tous les effets sont 15 secondes, sauf l'invisibilité qui a été mise à 30 secondes. Voilà. Sinon, petit détail que j'ai oublié, le dégât de l'Ender Pearl est off. Voilà. C'est à peu près. Cool. Nice. Oui. On a trouvé les joueurs ou pas? Et donc on va peut-être présenter les joueurs, ouais. Ouais. Ok. Ok. Eh, regardez, il y a un donateur.
Il a payé. Il a payé. Il est différent. Du coup, on a... Là, il y a plus le beau cercle. Mais non, le cercle. Bon, okay, bon, formation tortue, les mecs, formation tortue. C'est la faute de Guitou, hein. Du coup, on va commencer avec le petit nouveau qui est Donator. Ouais. Regarde le pauvre, voilà. Il est moche son skin. Voilà, pauvre Guitou. Son skin il est moche. Voilà, puis maintenant j'allais en cercle, je suis la flemme. On a The Gamer Cool, hein, qui est dégueulasse au PVP, mais ça devrait le faire. Ça, je déconne, oh là là. On a Xari, petit nouveau aussi. Putain, il est nul, le mec qui présente les joueurs. Irrespect. On a Naughty Too. Floozmaker qui dit sneak pour que je vois pas, mais. Ça marche pas. On a 7 gosses. Tout sur Snake, tout sur Snake. Wolfram 81, on a Gep, Nanox, Fuka, Isoc, Styx, Shadoon, Étoile, Bib, Pollux, et un bon de dispersion. Daiko ta cap. Alors une fois, ma cap. Oui, j'ai lié. Ah mais j'ai désactivé avec Optifine. Une fois que ta game a commencé. C'est bon là. On se mute tous dans le channel et une fois que vous êtes mort, vous avez, enfin, vous pouvez quitter et aller dans le channel live. Ce sera le channel mort. Ah y a plus ma cape. Regardez pas. Je sais pas où t'es où. Oui. Vous amusez pas. Je suis au milieu. Vous avez tué le quoi. C'est mieux. Voilà. Je suis au milieu du. Ah oui, c'est bon. Y a plus ta cape, c'est bon. J'ai pas ta cape. C'est bon. Et non, bah je pense qu'on. Bonne chance. Bonne chance. Good luck. Bonne chance. Et bonne chance. Terminé. Ouais, c'est bien. Nickel. Pas un spec. Ok, c'est moi, c'est un nouveau épisode des baguettes. Non, t'inquiète. Ok, ouais, c'est Jean-Claude. Bonjour, oh putain, ça fait mal aux yeux. Bienvenue pour Baguette saison 3, on fait un FFA, où le taf fait très très mal aux yeux, et j'ai un peu un biome de merde, je suis à la bordure. What? Ah non c'est bon, ok. Bon, ouais, donc, essayer de bouger vite fait, prendre une canne à sucre. Oups, pas ça que je voulais. Voilà. Oh là là, c'est dégueulasse. Ils auraient pu mettre, je sais pas, quelque chose de plus simple. Mais bon, non. Alors, faire une épée en bois parce qu'il y a des poulets, j'ai pas envie de les laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Alors. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Ça doit dépendre des cavernes. Je sais pas si je vais essayer de miner parce que. Because the diamond's limit, on peut pas vraiment miner. Enfin, plus de 13 diamants, on va dire. Enfin, on peut, mais. Je pense que ça vaut pas le coup, quoi. Donc, je sais pas si je vais aller arriver à ce point-là, honnêtement. Je vais peut-être juste se mettre enchanté, rocher 0-0. Enfin, rocher entre guillemets, hein, toujours. Déjà, faudrait que je sorte de méga taille. Qui a l'air assez grande. Ce qui n'est pas très bon. Please. On prend un canne à sucre. Après, bon, si on peut trouver une stuff dans la Mega Taiga, pourquoi pas. Il y a pas mal de canne à sucre. Moi, j'ai la flemme d'aller chercher ça là par contre. C'est pas même si c'est très grave. Bon. Alors. Plus de poulet. Voilà. Hop. Pas mal de plumes pour commencer.
Shane. Tiens, il croise un mec avec le skin de boulanger et un screen. Je sais même pas qui c'est. Putain, ça me fait un peu chier à Megataga, je peux pas trop prendre de pommes. Ah! Ah non! Bon, voilà. Aucune idée de qui c'est, mais c'était un pinger en tout cas. Sûrement c'est Oscantos du coup. Oh putain! Aïe! Non! Pourquoi? Aïe! Ok. Bon. Oh putain! Mais what the fuck? Ils sont trop nombreux, je vais me faire shooter encore. Non. Ah. Merde. Bon. Moi je suis sorti de la plaine. Enfin, sorti de la. Machin. La gare. Bon, je suis pas le seul à prier, les gars. Oh putain, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Y'a pas absorption donc. Manger une gapple dès que j'en vois une. J'en ai une, toi, parce que. Voilà. Oh merde. J'avoue. 4 barres sur mon flux. Ah ok, 2-4 barres. Bon, voilà. Ok. C'est la première fois que je solo commente en français, donc voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me voulaient. Mais je peux pas trop solo, enfin. Disons que même si je joue d'autres Recon en FFA, je peux pas trop commenter en français. Pourquoi? C'est parce que les Recon que je joue sont publiés sur Reddit. Et Reddit c'est une plateforme internationale, donc voilà. Je commence pas en français sur une plateforme internationale. Bon, j'ai pas mal de bouffe. Prendre un peu de pommes. Ah oh, putain, ça fait mal. C'est pas grave. On trouve une bonne caverne. Ça se met bien. J'ai combien de plumes? J'en ai 11, ouais. Je pense que je vais juste prendre des pommes et aller sous terre. On est plus embrouillé, presque cassé d'ailleurs. Peut-être aller casser juste pour le fun. C'est très fun. Bon, je suis le plus low. Mais bon, personne sait que c'est moi, donc ça va. C'est vraiment. Je sais pas. C'est une position pas très agréable, on va dire. Lol. Ah, X-ray. Ça commence. Ah, ouais. Grosse veine en plus. D'être assez rentable, on va dire. Bon, ça là, les gens qui se rencontrent dans le chat, c'est énorme. Rapidement, puis on va les cailler.
pas un super start. Hein. Et ce squelette qui se cache dans la méga taiga. Pas très agréable. Mais jamais vraiment. Hein. Ça va faire la saturation du LCFR. Oh, du coup, j'ai bien fait de prendre pas mal de bouffe en fait. Peut-être même en prendre plus. Parce que... saturation du LCFR, elle fait assez mal. Genre, personne qui prend pas. Personne prend plus de dégâts que moi. J'aurais pu en prendre plus les gars, hein, j'ai... au final. Donc bon, pas me plaindre, hein, n'est-ce pas? Ah, il faut ma spawn. Je sais pas si... je sais pas si les minerais sont limités un peu. Enfin, surtout l'or en fait, parce que le diamant c'est pas trop rare vu qu'à... comment ça s'appelle? Diamond's Limit. Après... je sais pas si l'or c'est... enfin, y a moyen de le limiter. Enfin, s'il y a moyen, mais... est-ce qu'il est limité, ça, la question? Bon, être honnête, je préférerais qu'il soit limité parce que... les gens vont pas avoir 15 gapples, voilà. S'ils kiffent toute la game. Donc du coup, jamais très fun. Bon, après, y a pas absorption, donc ça va. Enfin, ça va. C'est quand même assez... assez OP, mais bon. On va faire un casque, pourquoi pas. On va bouffer un peu. Voilà. Il va faire bientôt nuit déjà. Voilà. Vite prendre des pommes. Un peu plus d'arbres. Allez, prenez des gaz épais. Épais dans 10 minutes. Ouais. Ouais, pas de taux de pommes. Quelque part. Par hasard. Non. Au pire on va équilibrer avec 3, au pire on en prendra après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prendre de l'eau. Pas dégueulasse. FK. Oui. Si on va savoir, c'est toi. Hein. Je peux pas me toucher, toi. C'était épais, non. Il y avait une ravine par là, non. Je sais plus. Voilà. Ce ne sont pas des niveaux très bas, mais bon. C'est le MLG. Oh là là. Oh là là. Franchement, j'ai réussi. Hein. Sinon, ça va pas être très cool. Je vais juste dire dig down aussi après. Attends. Ouais. Bonne technique ça. Voilà. Faire des torches. Ah putain, il pleut.
grosse veine en plus. Juste faire ça, un four. Un circuit un peu de fer. Attends, je mets du charbon. Plus l'eau, hein. Et fier de l'être. Pas vraiment MDR. Ah, un K70, yes. Excusez-moi. Ça va faire quasiment full. Ouais, non, je vais faire une pioche. Commencer. Voilà. Bon, juste une caverne. Ah, attends. Ah ouais. Creusons. Ça fait déjà 14 minutes, ça passe tellement vite. Ah, un squelette. Plusieurs squelettes. Ok. C'est une tic d'arme en fait, juste. On va voir si on peut trouver quelque chose de plus bas. Sinon, on va creuser le squelette. Hein. Oh là là. C'est un spawner. Hein. Il y a pas mal de mobs par contre. Hein. Déjà, on entend. On va creuser la zombie. Ok, ravine. Hein? Ouais. Niveau lave, apparemment, c'est ce que j'entends. Je crois que j'ai sauvé sa vie. Peut-être pas, je crois qu'il est mort en fait. L'or. Je vois pas de diamant par contre. On se parle. J'ai l'or, c'est pas. Pas mal, je peux eu de lapis. Ok, il y a de l'or là-haut, je vais le chercher d'abord. Ne semble pas faire jeter par le squelette. Plutôt cool. Ok. Ouh là là là. Pas des tours comme ça, toi. Ah non, il a brûlé. Ah. Oh putain. Horrible. Relou ce gravier. En plus de squelette, j'ai un peu peur. Voilà. T'es mort. Un peu d'eau. New squelette. Ah ouais, y'en a deux là. Ok. Alors, un peu dangereux. Non, ça va passer. Nous là. Merde, j'ai perdu l'or. Non, il est plus haut, ok. On l'a pas vu. Complètement invisible au squelette. Ça qui est bon. Ok. Il y a 4 d'or. Ah merde, j'ai oublié de prendre des graines. Ouais. Attends, j'oublie à chaque saison, hein, c'est pas incroyable ça. Est-ce que je saute? Il y a un creeper juste là, ça peut le faire.
Sans qu'il n'y ait pas d'autres mobs. Bon. Allez. Peut-être pouvoir heal. Putain. Yes. Alléluia. 9 d'or. Ah. J'aime ça. Bon, ça aimait cette caverne. Bon. Faire cuire déjà l'or. Il faut trouver du diams. Je trouve pas de diams. Bah, j'aurais pas de diams. Voilà. C'est tout pour moi. Par là. Apparemment on n'a pas Y11 donc pire. Osef. Non ça va. Peut-être Y11. Peut-être. Si j'entends plus une parce que. Voilà. En fait j'ai juste ici l'impression que ça va pas être très fructueux. Ouais, juste un rêve de lave, hein. Inutile. Allez, on va heal. On va faire cuire ça, pourquoi pas. Voilà, first heal, j'imagine, peut-être. Pourquoi pas. Non. Merde. Putain, tu m'as pas vu toi. Là, il fait peur. Une araignée avec speed.